Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire du multijoueur sur le jeu 24 heures du Mans ou Test Drive Le Mans, je crois que ça s'appelait comme ça aussi. Sur la version Dreamcast, je suis avec Goodstone. Bonjour, bonsoir Goodstone, pardon. Salut Kim et salut à tous. Salut. Alors du coup, alors c'est tout de suite. Le mode de multijoueur, multijoueur. Donc c'est bon, on a testé, ça marche ensemble. J'espère que ça va pas bugger pendant pendant la partie. Alors multi apparemment on est bah, ce que je viens de voir avant par contre c'est qu'on est quand même contre l'autre, c'est dommage. Y'a pas moyen d'avoir un mode de joueur avec des d'autres IA? Apparemment non, pas sur ce mode-là. Ah. Malheureusement. Malheureusement. Bon, du coup j'en profite pour voir un peu les. Y'a des différences avec la Dreamcast au niveau des voitures? Comparé à la version PC et PS2? Ouais. Ou P ou PS2 ou PC. Ah, sur la version PC et PS2, tu as également les voitures de la saison 2000. De l'édition 2000 des 24 heures du Mans. Ah voilà, donc du coup t'as pas la même Audi que celle-là, t'en as une autre. T'as la prototype non? Pas celle qui est en Et format la LMP quoi. version 2000, oui. T'as également la Corvette. Ah. Là, Et j'ai fait le tour en quelques. fait. C'est ça. Ça Ce sont les voitures du début du jeu. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne comme type de série pour commencer? Veux-tu qu'on commence avec les GTD par exemple? Allez, ça marche. GT2. Comment? Comme ça, on débute tout en douceur. Tout en douceur, ouais. Pardon, alors le Commonrad. Non, ça c'est AGTS, mais c'est quoi GTSR? C'est GTS? C'est quoi C'est le. GT2, c'est la catégorie GT2. C'est pas mentionné dans le jeu en fait. Ok, donc ça c'est encore du GT2, ça non, évidemment. La Lister, c'est une GT1. Ah! D'accord. Et du coup, si on revient en arrière, on a quoi? Non, ça c'est LMGT. Bah, moi je vais me contenter d'une Porsche, hein. Ça sera très bien. Allez, c'est parti. Donc on peut choisir le mode difficulté, je vais mettre en expert, puisqu'évidemment, plus un expert. Tu as dit une Porsche entre guillemets, car le jeu n'a pas la licence de la marque. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le logo Porsche dessus? Ah oui, effectivement. Il n'y a pas le logo Porsche. Et au lieu de la marque, ils mettent tout simplement GT2. Bon, bah Donc on après c'est pas grave, reconnaît hein, tant toute qu'ils la ont le facilité modèle, Porsche. ça se reconnaît quoi. C'est ça. Je vais choisir dans l'originalité et je vais prendre la Callaway. Ah, ça me dit quelque chose. Vas-y. Et le sinon licencié. En fait, ils ont aucun truc. Alors, on a quoi comme circuit au choix? On a Le Mans, Donington, Catalunya, Suzuka. Bah, à la limite, on peut faire un circuit par série, non? On gardera Le Mans pour la dernière, la plus rapide. C'est ça, ouais. Ça va être sympa. Bah, on va commencer par Suzuka, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Le petit Suzuka, ouais. Par contre, on n'a pas choisi la variante, c'est dommage. Pas la vente longue dans le jeu. Faudra débloquer moi. Ah! Donc en fait, il faut débloquer du temps. Ok. Ça. Y a pas un mode pour mettre de l'IA là. Donc on va mettre 3 tours, on va mettre les pneus. On va laisser les pneus, ouais. Ravitaillement, météo mitigé, comme tu as dit tout à l'heure, on aura au moins peut-être de la pluie. On aura. Garage, ça fait quoi du coup? Ah, on a le carburant. C'est pour tes réglages. Incroyable. Bon, je sais pas beaucoup. Parti. Ah, ça ne concernait que le plus joueur 1. Bah, apparemment, ouais. Désolé. Alors c'est Wes Allan C'est apparemment qui a le meilleur tour. C'est Donc parti. tu es en bas, je suis en haut. C'est ça. J'ai fait un mauvais départ, ça commence bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'entrée de Dreamcast? Ouais, bah en tout cas sur Dreamcast, ça fait partie des jeux les plus beaux de la Dreamcast. Sur PS2, c'est pas le cas. Hein. Enfin, c'est les jeux plus beaux sur PS2, en même temps les Grand Turismo. Pas C'est que. moins soigné quoi. Voilà. Oula, ça commence bien. Oula là là là. Ah ouais, elle glisse pas mal en fait. Oh d'accord, ok. Oula. Bravo, bravo, ça un beau, s'applaudit. un beau 360. Et du coup, on peut jouer jusqu'à 4 sur le jeu, sur la version Dreamcast en tout cas, la version Play 2, je sais pas. Je sais qu'on peut jouer à 2, ça c'est sûr, mais est-ce qu'avec le multitap on peut? Il me semble. Enfin, c'est à confirmer. En fait, j'aimerais ne pas faire n'importe quoi. Alors, le problème de la Porsche, c'est qu'en général, elle a le train arrière très baladeur. Je sais pas C'est si une ça va être Porsche, bien, si c'est bien reproduit dans le jeu. C'est vrai que comparé à la version PC également, le maniement est assez différent. C'est-à-dire que les voitures glissent plus, tu me dis? C'est ça, ouais. Elles glissent plus et. Elles ont un petit peu moins de vie. Je peux avoir la vue. Je me suis trompé de touche. Hey. J'ai tendance de freiner. En fait, comme je suis habitué à genre la PlayStation surtout à freiner avec carré. Bah là, en gros, c'est le bouton à droite, c'est pas le bouton à gauche. Je crois que c'est sur GameCube, c'est pareil. D'ailleurs, c'est inversé. Moi, je me souviens, sur Need for Speed, Underground, non, c'était ça.
Non, on utilisait les gâchettes, je disais, n'importe quoi. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si on peut utiliser les gâchettes pour accélérer. Ouais, si, ça marche. Ici. On peut utiliser les gâchettes et freiner avec l'autre gâchette, ok. Je dis pas que c'était un des gâchettes. Parce que c'est que l'avantage de la manette de Dreamcast par rapport à la PS2, c'est que les gâchettes sont progressives en fait à l'arrière. Enfin, il y en a qu'une hein, d'ailleurs, c'est comme s'il n'y avait que R1 ou L1. Mais bon, le R1 et le L1 sont progressifs, ça c'est bien. Alors on part avec un avantage aucun puisqu'on n'a jamais fait vraiment le jeu à deux sur ce Dreamcast, mais bon, je pense que t'as l'avantage quand même de connaître le jeu. Vous oubliez, non ? On va dire qu'il y a que des... c'est quand même différent entre les deux versions. Ça va aller avec la planche ? Ah oui, non, ça va aller, c'est juste que j'essaie de voir un peu avec les gâchettes ce que ça donne pour être en mode un peu immersif. Mais vas-y, hein, fais ta vie, gagne la course, il n'y aura pas de problème. Par contre, je t'avoue que je suis quand même extrêmement déçu qu'on puisse pas jouer avec des IA. C'est ça. Par contre, je sais pas si on peut également jouer à deux dans le monde. Ah, bon, on peut essayer. Bon, le jeu, bon, là, je vous avoue que le jeu est un petit peu upscale en termes de résolution par rapport à la version originale. Mais il commence à pleuvoir. Non, il n'y a pas de. Ah, dommage. C'est juste un petit peu trop tard, mais il commence à pleuvoir. Il y en a la nuit qui tombe, non? Non, je sais pas, j'ai l'impression de voir les phares maintenant. Là. C'est parce qu'il a pu apparaître en fait. D'accord. Okay. Il y a un droit à un petit replay. Alors, le replay, ça serait bien qu'on puisse l'avoir en full screen. Je sais pas si c'est possible. Ça, je sais pas par contre. L'autre avantage de la version Dreamcast, c'est que les textures des voitures sont soignées et mieux réalisées. Elles sont mieux faites que sur la PS2? C'est ça. Alors, je sais que, comme je dis souvent, un jeu Dreamcast, alors ça, Dreamcast par rapport à la PS2, c'est que bon, elle est moins puissante en vrai, elle gère moins de polygones que la PS2. Mais par contre, en termes de mémoire vidéo, donc la RAM mémoire pour les textures, il y en a un peu plus. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs. Même sur certains circuits, même tu peux voir des bugs côté texture. Ah ouais. Faut sur... enfin, c'est rare, mais c'est quand même flagrant. Je crois qu'il y a un beau tête à queue à ce moment-là, non, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, non, mais j'avais accéléré. Non, c'était avant. Non, c'est le premier virage et le deuxième tour. Alors, je sais pas comment on sort. Je me dis que ça va être start. Ouais, start. Bon, start. De toute façon, on va faire là. Ouais. On ira voir après. On va faire de manière classique les circuits. Là, on va tous les voir. Et on essaiera aussi de voir si le mode joueur, il y a moyen de faire quelque chose. C'est bien qu'il y ait une épique à moins de 10 secondes de moi. Oui, avec on est en fait 3 têtes à queue dans la cour. Alors on part sur quoi maintenant? Un peu plus puissant. Bah après on est directement au LMP. Les GTR c'est plus puissant ou pas? Ouais c'est les GTR et les GTP ouais. C'est plus puissant. Typiquement là c'est moins puissant que ça, on est d'accord? Ah bah en fait on le voit, on le voit en fait les caractéristiques tout à l'heure, ouais. J'ai pas fait gaffe. Même si la McLaren, c'est en théorie moins puissant, mais... Je pense que les LMP sont moins puissantes, là, dans le jeu. Mais non, même pas, en fait. Ça dépend. Tout dépend de quel type, quelle machine c'est. Bah écoute, je pense que je vais tenter une au hasard. On va prendre... Allez, la Panos, c'est parti. Allez, la Lister. Vas-y, tu peux valider. Par contre, je pose la question, il y a sûrement des équipes à déverrouiller, non? Ouais. On verra si à la fin on peut faire forcer le déverrouillage. Vas-y, invalide. D'ailleurs, il y a marqué sur les crétos 24h du Mans 99. Ah bah oui, effectivement. Sauf qu'elle a couru qu'en 97. Voilà. C'était l'instant culture. C'est... En plus, ils avaient l'accord de la CO, je crois, en plus. C'est ça. On va faire Catalogne. Je sais pas pourquoi Catalogne d'ailleurs. Pourquoi ce choix? C'était en Catalogne. Non mais il y avait le circuit de Catalogne à l'époque qui pour l'endurance. Non. Voilà. Ah bah là il fait encore plus nuit que tout à l'heure. C'est bien, j'aime bien. J'ai failli rater mon départ et finalement ça s'est bien passé. Par je précise que Kim a une meilleure voiture que moi. Ah voilà, parce que j'avais posé comme question finalement. Est-ce que j'ai une meilleure voiture que toi? Ah, j'ai oublié que c'était... J'ai des meilleurs freins que toi apparemment aussi. Mais j'ai oublié que c'était... Ah mais c'est la version courte. Circuit classique. Eh oui, déjà la chicane du circuit.
Alors, les effets de lumière sont quand même super bien réalisés. Hein. C'est ça. Ça fait penser un peu à 355 Challenge. Il y a eu des jolis effets de lumière. Alors il y a un petit bug, voyez, en dessous de moi, hein. Bon, on va faire avec. Juste pas faire attention. Même les effets de... Quand je bloque les roues, c'est plutôt réussi. Non, ce qui serait marrant par exemple, c'est pouvoir faire, je sais pas, une 24 heures du temps sur le jeu et genre. Bah t'arrives dans un ravitaillement et le joueur 2 prend la manette quoi, enfin tu vois. Ah, ça serait intéressant. Je crois pas que c'est possible. Après, ça serait possible, hein, avec l'émulation, on change la manette du joueur au moment où on est au stand et puis. Enfin, ça que je sais pas, bon, je vais te laisser revenir sur moi. Non, au moins te dépasser, vas-y, dépasse ton dépassement. On s'en verra, parce que là, c'est vrai que si j'ai une voiture bien que toi, ça va pas trop le faire. Bon, moi, je pars contre ta queue. Oh là, bon, t'as du mal. Changer un peu de vue, tiens, pour voir la vue intérieure. Enfin, tort, y a pas de vue intérieure, mais... Si, il y a un peu de décalé. Ouais, cet effet de lens flare, il est vraiment super réalisé. J'adore. Quelle ambiance est là. J'apprécie. Il y a même la musique de... je sais où, il y a pas la vue cockpit en mode de joueur, par contre. En un joueur, oui, c'est ça. Il n'y a pas de vide cockpit dans ce jeu. Ah, il n'y a pas de vide cockpit, d'accord. Enfin, j'en suis... Vous savez qu'on avait fait la version de Dreamcast à l'époque, et j'étais tellement vieux, j'en sais pas. Par contre, oh là, ouais, l'effet du soleil là, ça part en tête à queue, attention. Ça va, t'as bien rattrapé. Ouais, il faut s'habituer. Bon, après, ils ont quand même eu l'accord pour beaucoup de sponsors derrière. Après, j'ai pas l'impression d'être significativement plus rapide que toi pour autant. Ouais, les pivoirs ça glisse un peu, il faut que je fasse attention. En tout cas, là, c'est logique. C'est moi où il y a un petit peu sur le côté de l'herbe en 3 dimensions, enfin. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Pas mal de détails. Est-ce qu'il y a une vue arrière aussi? Si. Ah, si. C'est justement la touche que j'appuie tout à l'heure pour freiner. Oh, derrière l'aileron, c'est magnifique. Et il va sortir de la piste, c'est incroyable, attention! Pourquoi j'ai ralenti? Ah, par contre, elle a l'air mieux collée au sol que la tienne. Oh mince, j'ai encore trouvé une touche! Et il va y arriver, il va passer! C'est incroyable! Ah, je me suis complètement loupé. C'est le scénario à Barcelone. J'ai encore loupé la touche en fait. Bon, ça va, on est passé en dessous des 2 secondes maintenant, d'écart. Ok, mieux en voiture. L'extérieur est mieux réalisé que sur version PC. Là. Ah ouais? Ouais. Tant, il n'y a pas tant de polygones que ça hein, quand on regarde bien. C'est vrai. Par contre, je vais juste. Ouais, voilà. Parce qu'on peut pas. Je me souviens dans le jeu, quand on mettait tous les deux la même vue, dans... enfin, en tout cas, dans... je crois que c'était dans Grand Tourisme 1, on mettait le mode full screen. J'ai l'impression que c'est pas le cas. Ah non, c'est pareil. Quel dommage. Quel beau départ et surtout quel bel accident devant. Les premiers. Quel raté, ouais, surtout. Et t'as vu, tes freins sont passés au rouge aussi. Hein. C'est vrai. Petit détail. Et on voit le pilote à l'intérieur, on voit tout, hein. On voit le casque du pilote, on voit quasiment... C'est ça. Et tu es sûr qu'il n'y a pas de version cockpit main dans la version Dreamcast? Ça m'en ferait trop plaisir qu'il y en ait une dans la version Dreamcast. Non, malheureusement. Allez. Ouais, du coup, on va tenter les barquettes, je pense. J'appelle toujours ça les barquettes, mais... Barquettes de chocolat? Bah, les barquettes, les... Ouais, les... Comment ça s'appelle? Les protos ouvertes. Ouais, les protos ouvertes. Toujours le cas, d'ailleurs, c'est une série que je déteste. Les protos ouverts, je trouve ça immonde. Je préfère à la limite, voilà, ça, fermé. Pour moi, c'est une vraie classe parce que c'est ultra profilé. Mais ça, non, je sais pas. Pour moi, c'est anti-héros, quoi, d'avoir un mec dans sa. Bon, après, tu me dis, ça ressemble un peu à une F1 aussi. Mais... Alors, du coup, on a quoi? JMB compétition, on a la joueuse Racing, Kramer Racing, Ridley Scott, Europe. Non, ça y a rien, je sais pas, je m'en souviens. Bon, bah, du coup, on va prendre. Je sais pas, peu importe en fait. Hein. Allez, je vais prendre Kramer, là, si. Ah, t'as pris la Lola? C'est une Lola? Ouais.
je n'y connais strictement rien, vous l'aurez compris. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. Ouais, c'est ça, les meilleurs freins. Bon, en vrai, je pense qu'il y a des gens qui font la Riley. C'est une IG, non? C'est quoi? C'est une Riley Scott. Ah, c'est vraiment une Riley, le châssis? C'est ça. Okay. Ah, vas-y. Hein. Du coup, on va faire Burlington National. C'est le seul circuit complet qu'on va faire avec le Mans. En tout cas, dans la version non débloquée. Et sans spoiler, il y a combien de véhicules à débloquer en plus, là? Attends. 13... Sans spoiler les véhicules, je veux dire. À peu près 40. 40? C'est énorme. En comptant également les doublons, tout ça. D'accord, ok. Non, mais de vrais 3D, en fait. Vrais châssis différents. Une trentaine. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. J'ai de faire attention quand même sur la texture de du bitume, enfin de l'asphalte, qui est nickel. Hein. Ouais. C'est vrai. Je veux dire, là, même sur les bus actuels et les jeux actuels, on a vraiment la même chose. C'est vrai qu'elles glissent pas mal ma voiture. Et elles ont pas le même bruit aussi. Un bon ouais. Effort de fait entre les deux. J'ai l'impression qu'on dirait une F1 la mienne. On dirait une F1 un peu à régime un peu haut, mais qui le mec il a oublié de passer le rapport. Ah non, mais en fait c'est tout droit. Ah, c'est la version courte. Là. En fait, c'est surtout la couleur du bitume qui me. On aurait pu faire du BTCC, ça aurait été plus facile. Ah bah ouais. Ah, ça c'est mon projet, ça. Un jour on arrêtera la S-Formula sur la F1, on le fera avec des voitures BTCC. Avec l'IA ultra agressive, je pense qu'il y a moyen de se marrer. D'ailleurs, t'es courant qu'en parlant de BTCC, Jason Tatou a pris sa retraite définitive. Ah, je l'ai pas vu, j'ai vu que t'avais posté ça, mais je suis un genre. Je suis tellement détaché du BTCC depuis pas mal de temps. C'est qu'il est en train de me rattraper en plus. En virage, ça galère un peu. On sait qu'il y a la gestion du fuel aussi. Bon, enfin là on l'a pas activé. Après on est qu'à 3 tours. Non, mais on fera 50 tours tout à l'heure, on mettra les pneus, on verra qui gère le mieux et tout. Olé. Le petit tour dans l'herbe. Il a coupé là, j'ai rien. Je rêve. Ah, il y a les commentateurs, c'est vrai. Dans le jeu aussi. Seulement sur la version PS. Ah. Ce qui n'est pas plus mal. Pourquoi? Ils sont mieux. Sur PS1, ouais. Il se répète et je sais pas. Il est. Ah. Dire qu'il est totalement à côté de ses pompes. J'ai pas fait gaffe, mais attends deux secondes. Désolé, hein. Je fais pause parce que c'est vraiment le seul moment où je vais pouvoir le faire. Le nombre de détails qu'il y a dans le public. Alors, le public lui-même est en 2D, mais les bagnoles derrière. Ah, j'ai reconnu Nissan Silvia. Bah oui, peut-être. À gauche, tout à gauche, la bleue. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Non, mais en plus, c'est des cubes, on est d'accord, mais c'est de la 3D, quoi. C'est même pas 2D comme le public. C'est vraiment super bien fait, quoi. Ah, je vais remettre la. Je sors de la pause. 3, 2, 1, go. Oh, ah, ça, bah, ça, merci. Je m'en passe en ligne. Bon. Mais voilà, petit détail quand même, j'étais assez imposé, j'ai dit c'est bizarre, il y a énormément de trucs au fond. Ouais, c'est, là il va se réveiller, il va leur envoyer toute la puissance. Ça n'a rien à dire sur le circuit de. Non, il est plutôt bien réalisé, hein, on a les bons dénivelés. C'est ça. Bon, je m'imagine qu'il y a la version mondiale évoquée. Ouais, c'est ça. Oh je me suis dit, je voulais pas le taper, je voulais vraiment prendre la tête. Ah. J'ai voulu freiner, mais je suis trompé de touche. Bah, bravo. Ouais, non, c'était pas mérité, hein, l'accident de fin. Hein. Bon, en tout cas, très sympa à jouer en multi. Franchement, je trouve qu'il y a pas beaucoup de dégradation dans la qualité en mode multi, hein, en termes de graphisme, en termes de. Y'a pas de. De résolution des détails des voitures. C'est franchement assez nickel. Ah, t'es sponsorisé par Edsel, quoi. Ouais, en plus, ouais. Ouais, j'ai vu sponsor, ça sont quand même bien gavés.
Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit code de triche là pour débloquer des trucs? Ah, Genre c'est là. possible. Genre là. Attends. Alors, ce que je vous propose, je vais faire une toute petite pause dans le live. Et on va juste vérifier ça et on se retrouve juste après. A tout de suite. And welcome back! Et on se retrouve du coup avec le multijoueur toujours, mais on a réussi à débloquer toutes les voitures et tous les circuits. C'est incroyable, ça va spoiler à partir de ce moment-là, je vous préviens. Donc c'est parti. Grâce à notre excellent niveau. Exactement. On a joué pendant à peu près 19 heures au jeu et on a tout débloqué. C'est faux. Alors, on a une quoi? Oh, une belle Nissan R390, ça c'est classe. On a quoi d'autre? Une Courage C36. Avec des ascenseurs sur mesure en plus, magnifique. Une Courage C52. Fenêtre FPE. C'est bien, hein, à l'époque, ils aimaient bien mettre les marques françaises dessus. Alors là, j'ai pas compris. C'est la deuxième, variante. Deuxième variante, ok. Panos LMP Spider. C'est celle qui remplaçait la version GT1. Hein. D'accord. Okay. C'est pas mal, elle a de la gueule, j'aime bien. Bah, c'est. Bah, en fait, on dirait juste la même et découpée en haut, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ça, c'est LGTC Compétition, c'est la McLaren. C'est la McLaren. Ouais, McLaren. Donc là, il y a une R391. Nitachi, j'ai la liaison entre Hitachi et Nissan, quoi. Sponsorisé par Nitachi. Donc Nissan 390, on a deux encore. Ouais, c'est quoi la différence? C'est le numéro qui change. Ah, c'est juste le numéro. Ah, ouais, ils sont vraiment pas embêtés, quoi. Ouais. R8R, donc c'est celle-là qu'on n'avait pas justement. Alors, ça, c'est la version 99, mais t'as une version 2000 qui est uniquement sur PS2 et PC. D'accord, ok. Deux couleurs différentes. On a... Oh, ça fait plaisir, ça, NCLKLM. On va pouvoir s'envoler au Mans. Une V12, bah, celle qui a gagné le Mans 99, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Bah, c'est ça. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que la Milité, elle est en rouge. Ouais, c'est la meilleure manière. Ok, d'accord. Oh, il y a une Lancia LC2, mais c'est exceptionnel en fait. Sans Martini, malheureusement. Mais en fait, je commence à comprendre pourquoi t'aimes ce jeu, parce qu'en fait, ça retrace tellement de trucs du vraiment, quoi. Ah, il y a les anciens, bah, c'est les modèles des années 89-90, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, la Sauber, c'est la Sauber. Oh, il y a la 205, mais c'est exceptionnel. La Jaguar XJR9. Bah, avec que des modèles mythiques, quoi. Bon, la Neurovis ou la GT2, ça va faire un peu plus mal, mais. Non, ça va, ça. J'aime bien certaines GT. Ah, il y a la Marcos, voilà. Elle était dans un sample, hein, ça, dès le début. Ça, je m'en souviens. La Vapeur GTS, on l'avait celle-là. Celle-là aussi. Ah, ça, elle était pas tard, non? L'arme compétition, elle était pas débloquée, je crois. C'est la plus puissante des Porsche dans ce jeu. Enfin... D'accord. Team Oreca, ok. On retrouve d'ailleurs dans Gran Turismo 3, si je dis pas de bêtises, non? En version rouge, c'est la Team Oreca, non? Ouais, la version 2000 dans Gran Turismo 3, ouais. Non, c'est pas tout. Je crois qu'on a tout fait, si je dis pas de bêtises. Pilot Racing, on l'avait pas vu, non? VSM Ferté, Bernard. Lol. Crémer. Ferté Bernard. Quoi, c'est un péage, non? J'ai la R390 en verte. Enfin, c'est quoi? Ça change du bleu. R390 en verte. J'aime. Oui, c'est vrai, on a pas parlé de. Bon, bah, c'est pas mal. On a, franchement, avec, bah, effectivement, il y a de quoi faire. Hein. De quoi s'amuser. Alors, bah, on n'a pas fait les modèles d'abord LMP classique, ceux-là. Donc, à la limite, on peut les faire. Et après on fera les modèles historiques, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, je prends l'Audi R8 CD. J'aime beaucoup cette Audi. Allez, c'est parti. À toi. Petite musique sympa, hein. C'était très lounge. C'était à prendre la McLaren ou la Nissan R380. Après on peut toujours reprendre une autre circuit et prendre celle qu'on n'a pas prise. Hein. Écoute, comme on la voit jamais dans ce jeu, je vais prendre celle-là. Allez, ça marche, vas-y. Bah oui. Alors, du coup, les circuits, ça va être sympa. On a Burnout. Oh, exceptionnel. Ça aussi, c'est énorme. Oh, le dénivelé, par contre, je l'ai oublié. Est-ce que t'as dit Burnout? Non, j'ai dit Burnout. Les gens se prononcent Burnout, hein. Burnout. C'est pas Burnout. Imprononçable. le circuit Bugatti, ouais, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas le circuit Bugatti, par contre. Et je pensais qu'il y aurait été dès le début, en fait. Bon, Le Mans, qu'on pourra faire. On peut le faire là, si tu veux, Le Mans. On a le vrai Suzuka entier. Bah voilà, la Suzuka OS qu'on avait pas tout à l'heure aussi. Catalonia Total, ouais, ça c'est bien aussi. Un peu de Newton Grand Prix. Par contre, y'a pas tant de circuits que ça. Mais bon, ça suffit, on va dire, pour un jeu comme ça devrait aller. Qu'est-ce que tu fais en fait, Le Mans? C'est pas mal.
On le fait, on fait le Mans avec les grosses les historiques. Ouais, on peut garder ça pour la dernière. Allez, ça marche. On fait quoi alors comme ça? Le Bugatti, Verno. C'est les deux qu'on a pas fait en termes de vraiment circuit. J'ai vite à faire en termes de Bugatti. Bugatti. De toute façon, il nous reste aussi une catégorie qu'on n'a pas faite, donc... Allez, c'est parti. C'est parti. D'ailleurs, à titre pour l'histoire, la version prototype, je crois que c'est une version bêta, si je ne trompe pas. Ouais. Il y avait normalement le circuit de Mosport qui était prévu. De Mosport? Ouais, c'est au Canada. Au Canada, ok. D'accord. Ah, ils l'ont pas gardé. C'est un très vallonné. Mais je suis dans son PC, tu peux l'intégrer, non? Non, il est disparu. Ah mince. Oula. Mais en vrai, tu peux modder la son PC, genre rajouter des voitures et tout? C'est difficile, quoi. Déjà que ça fait planter le jeu une fois sur deux. Ah, oui. Mais il y a des gens qui ont fait des mods pour ce jeu, en fait. Ils ont essayé, en tout cas. J'en ai pas vu, en tout cas. Attends, mais le circuit Bugatti, c'est pas la variante qu'on a, qu'il y a eu au Explorer GP, ça? Si. Oui, parce qu'en fait on appelle le circuit Bugatti, mais c'est au Mans, quoi. C'est juste la version un peu différente. J'ai vu que t'as freiné d'un coup, je me suis dit, oula, on a vu, il fallait freiner. Je l'ai pas vu, désolé. Oula, par contre, vu de très proche. Ouais, vu très proche, ça a évité. J'ai l'impression que ça freine tellement fort en fait que. Ah non, j'ai rien dit, je vais redire tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression que ça freine tellement mal. En fait, tu freines très tôt et je me dis, mais pourquoi tu freines aussi tôt? Et en fait, je ne comprends pas. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que t'as pas, je sais pas si t'as remarqué, mais le tracé du circuit, y'a que toi qui l'as. C'est ça, je suis favorisé. Mais en vrai, du coup, je cherche le circuit, j'ai dit, non, mais où j'aille où en fait? Après, j'ai pas regardé depuis le début des vidéos, rassure-toi. Bon, je vais quand même rassurer les autres, y aura une version 4 joueurs qu'on fera un jour, hein, qui était pas. D'ailleurs, t'as contacté Benjamin, tu vois. Button ? C'est ça. Ah, mais oui, pardon, oui, bah oui. Mais GG, d'accord. Je crois qu'il pleut. Ah, effectivement. Alors, est-ce que ça va changer grand chose avant sur le grip ou quoi ? Ça va, la plus légère, donc. Oh là 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 là, ça tire tout droit. En termes de performance, je suis censé être plus rapide que toi, non? Pas les jambes. Je me souviens bien. T'as une meilleure maniabilité? Moi, ouais, je sais. C'est que t'accélères peut-être plus fort, toi, non? Vu que t'es l'air plus légère. Je suis pas sûr que le jeu prend en compte les poids de la voiture. Enfin, pareil, un truc tout bête, mais quand tu passes dans l'air, ça crée une traînée un peu comme dans les jeux snowboard, en fait. C'est que ça creuse un peu le. Je donne tout ce que j'ai pour te rattraper, mais c'est pas évident. Mais si, c'est choisi. Moi qui la joue comme à Barcelone, comme à Denita. Ouais. Un freinage? Non. Pour les faibles. Là, je me suis un peu loupé. En vrai, tu peux sortir large à droite, je ne peux pas à gauche. Bon, en vrai, on s'y fait vite au maniement. Hein. Ça y est, il répond plus. Il est concentré, il va gagner la coupe. Il est concentré, c'est ça. C'est juste dommage que dans la version de Dreamcast, comme sur PS2 d'ailleurs, il n'y a pas la gestion des dégâts en fait. Ah oui, il n'y a pas de dégâts dans le jeu? Ah non, mais alors 2 sur 20, alors je retire ce que j'ai dit. Très mauvais jeu. Mais j'étais sûr que c'est. Alors que sur PS1, t'en avais enfin, le premier opus. C'est le premier opus, en tout cas. D'accord. Bon, après... Bon, si, c'est quand même, c'est quand même énorme d'avoir les dégâts dans le jeu, surtout quand tu es 4 heures du monde, quoi. C'est ça. Et dans l'absolu... Oh, je l'avais doublé. Hein? Dans la version PS1, même si c'était vraiment pas parfait du tout, il y avait des choses intéressantes, quoi. En fait, il faudrait prendre le meilleur des deux mondes, quoi. Enfin... Ouais. Peut-être qu'un jour quelqu'un s'intéressera à ce jeu et arrivera à tout coder. Peut-être.
pilote un tank, hein. Je prends toute la place sur la piste. Oh, il est passé 4 ans. Ah non. J'ai glissé. Ah, là ça commence à être un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Après. Bah, je sens pas trop pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a une mousson. Tout à fait, t'es pas tout parti à 360, non? Ah oui. C'est ça. Bon, bravo, rien à dire. Là. Ouais, pour une fois. Bon, la légère touchette quand même que j'ai dépassé, c'était un peu décalé sur le côté, mais. Bravo. Bravo. Voilà. Ah, c'est qu'au début, ça serait beau. Alors, du coup, je suis en train de regarder un truc, mais. Ok, ils font partir les voitures à 5h de l'après-midi. D'ailleurs, chose intéressante également sur PS1 et enfin, le premier repli, quoi, c'est que tu dois gérer aussi la température de ton moteur. Quoi. Ah oui, c'est vrai. J'avais totalement oublié. Bah du coup, c'est moi qui ai fait le meilleur temps, bah, pour une fois. Hein. Si tu mets par exemple ton régime moteur au maximum, t'as plus de chances de voir ton moteur surchauffer. Pareil si tu joues... Ah. Faites pas attention à ce nom. Hein. Voilà. Oui, ce qui c'est effectivement... Tu vas vraiment mettre Goose. Ouais, c'est ça. Comme tout à l'heure, tu sais. Alors non, on va pas recommencer. Alors, enfin, c'est soit victoire, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Non, je rigole. Je vais voir peut-être le mode de manque si on peut jouer à deux. J'ai un doute, mais. Bah, je crois pas en fait, parce qu'il y a pas, malheureusement, ouais. Pas le choix. Non, par contre, ce qui serait intéressant, c'est. Non, un coup, je pense pas. Un peu, non, on peut pas. Il y a tout ça à faire d'ailleurs, voilà, si vous voulez vraiment vous amuser. Il y a rien derrière. Dans le mode de Mans, tu peux montrer quelque chose côté voiture. Allez, vas-y, nouvelle partie. Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Je valide. Enfin, change de voiture. Encore. Parce qu'il y a un modèle que tu peux jouer que en mode léman. Ah bon? Ouais. Ah, pour l'instant, c'est pas ceux-là, on les a vus, j'ai l'impression. Non, on les a vus tout à l'heure aussi. Je sais pas si c'est bien le cas. Par contre, alors, ils appelaient. Ah oui, merci. Si c'est... Dommage que c'est pas la version grise de la Sauber d'ailleurs. Ouais. Pour l'instant on les a toutes vues. Celle-là. Voilà, c'est ça. Excellent. Alors par exemple on pourra pas la piloter parce qu'on est... Pourquoi on peut la faire en mode de joueur? Elle est ultra pixelisée ou... Je sais pas. Dommage par contre. Ah, je suis déçu. Je suis presque déçu là. J'aurais voulu essayer. Bon après on peut l'avoir sur Gran Turismo donc ça va. Pas plus dommage que tu peux pas le... Elle n'est... Enfin, elle n'est pas présente dans la version PS2 et PC, quoi. Ah bah ouais. Alors du coup, bon, je prends un vieux modèle. Je t'avoue que la Lancia, j'ai jamais tué. Alors Sauber, j'ai déjà piloté dans le Gran Turismo aussi. La Peugeot, non, par contre. La gagné en 93, hein, si je dis pas de bêtises. 92 et 93. Ah, les ouais. deux années, ouais. Sick. Bah je vais te prendre la Lancia, tu vois. J'adore Lancia. Enfin, je dis ça, j'adore Lancia, mais pour la petite info, quand j'étais gamin, je détestais Lancia. Ah ouais? Ah ouais, je trouvais ça immonde. Alors, à l'époque où je parle, c'était qu'à l'époque des Libra, des nouvelles... Comment dire? C'est les années début 2000, quoi. Ils ont complètement changé de... Ah, c'était beaucoup plus carré avant. Je sais pas ce que je voulais dire, les Delta, etc. Et juste quand ils ont commencé à faire les pharons, à faire les trucs, là, je trouvais ça ignoble. J'aime toujours pas vraiment, mais j'aime un peu plus, quoi. Comme quoi, les goûts, hein. Est-ce que tu aimes la Thesis? Ah, c'est ça là justement pour la Thesis. Ah, là j'aurais mieux fait de l'anesthésis. Alors, du coup. Ah, ce jeu de mots était magnifique. Je prends la Jaguar. Abonnez-vous. Alors, attends, je mets la lumière chez moi. Parce que c'est un peu. Voilà, on n'est plus en été. Est-ce que tu peux changer toi-même le circuit là? Non. Ah, ça change rien, il y a vraiment que moi qui ai le contrôle. Okay. Bah, Le Mans, du coup. Allez, priez pour moi, s'il vous plaît. Play. Et je signe Bieber, 3 minutes 30. Bon, quoi, ça fait juste un bridou, ouais. Justin Timberlake. Voilà.
parlant de la GTA, donc elle n'était pas disponible sur PC et PS2, mais en fouillant dans les fichiers, un moyen de le faire. Pour la rendre jouable. Oula, ça décolle un peu plus lentement quand même. Oula. Et en plus, excusez-moi monsieur, mais par contre le bruit. Alors attends, juste faire un truc, désolé. Ah, je peux pas. Vas-y. Je pensais, je voulais mettre dans les options, je voulais garder que le son des bagnoles, mais en fait, non, on pourra pas. Allez, 3, 2, 1. 1. Ah. T'as d'ailleurs, petite question. Ces modèles là, qu'on a actuellement, le modèle des vieux 90, 80, peut-être même plus vieux pour le mien, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils étaient plus rapides que les modèles de 99-2000 qui ressemblaient un peu, genre la CLK ou pas? Oui. Ils étaient plus rapides. C'est ça. D'accord. Mais en puissance pure droite, ou en aéro ou... En puissance pure, ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Peut-être pour les cercles un peu plus sinueux, c'est un petit peu kiff-kiff. Bon là on n'est pas dans la version sans ligne droite full hein, donc il y aura quand même des chicanes. Dans l'intérieur un peu, enfin le bel ouais. Effet de vitesse, même au mode de joueur. Par contre... Là c'est fluide, il n'y a pas de perte de framerate. Oui c'est plutôt pas mal hein, franchement ça s'en sort bien dans le casque. C'est quoi ce bruit? C'est la musique. Ah ok. Par contre, je suis déçu qu'il pouvait passer le logo Martini. Le logo Martini? Ouais. Ah bah, de toute façon, malheureusement... Oh, j'ai encore oublié le trompe, je me suis encore trompé. Oula. J'ai encore trompé de touche. Ouais, mais bon, enfin, on l'a vu déjà dans la série Formula One, hein. En 95, il y avait encore Campari, Fosters, tout ça, et je pense que c'est à partir de 96-97 que dans les jeux vidéo ça s'est un peu internationalisé le fait de plus mettre de marques d'alcool et tabac, j'en parle même pas. C'était bien avant. Freine bien toi. Alors, petit détail qui à l'époque devait être pas mal, parce que je rappelle quand même ce jeu est sorti quand même avant Gran Turismo 3. Hein. Que quand toi c'était un jeu très beau, mais il y a eu des jeux très beaux avant. Et je me suis fait une petite réflexion, les jantes elles sont en 3D aussi. C'est assez furtif, ça on fait, voit pas trop fait là. Mais... Attention. C'est assez furtif, on le voit pas trop. Mais... Oh là là. Oh, j'y suis allé comme un fou. Vraiment le fan bien. Bon, par contre, c'est un je pense que tu le connais tellement par cœur. J'adore la position de ton flux arrière central. Oui, j'ai pas compris pourquoi il était un petit peu sur la droite. D'ailleurs, il y a un énorme trou, hein. Ils ont oublié une partie de la bagnole. Hein. attends, j'essaie de savoir où on est sur le circuit. Je t'avoue, le début du circuit, je me souviens, ça c'est pas compliqué. Mais alors, à la fin, je galère. J'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu exagéré sur le dénivelé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Pour l'instant, le Royaume-Uni mène contre l'Italie. Face à l'Italie. Je ne sais même pas de quoi tu parles en fait. En Super Formula. C'est en ça. On a un GP. Non mais en quoi du coup t'as dit pardon? Non. En quel, en quoi en football? Sur cette course là. Ah mais. Je viens de comprendre. Ah t'as compris. Je viens enfin de comprendre. Oh mon dieu, je me dis putain c'est bizarre, la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas tout de suite. D'ailleurs on a hâte de voir les jeux d'hiver en Arabie Saoudite comme ça. Et ça va la suite. Petite ironie. Tu me mets un vent. Hein. C'est quand même assez violent. Oh là là. J'imagine le jeu, mais en prenant en compte également la qualité de la version PS1. Oui. Maintenant, la gestion des dégâts, du moteur, je pense que ça aurait été pas mal encore.
Bah je pense aussi. Je pense qu'ils ont voulu trop faire arcade. Bah, c'est vrai que Tin Miel Pavé, on est en expert. Ça, tu pouvais faire un mode arcade et simulation. Oui, c'est vrai. Alors, à moins que ce soit qu'en mode de joueur ou que ce soit comme ça. Non, c'est possible. Quasiment une ligne droite d'avance. Ah, je pensais qu'il y aurait une vue. Ah, je vois rien devant en fait. Je vois pas les pontons quand j'ai la vue très proche. Pareil sur ma Jaguar. Oh là, cet échec dans la chicane à chaque fois. Par contre, ça aurait été. Mode... Pardon, vas-y. As-tu faire un mode championnat? C'est jeu. Ouais, mode championnat 2 avec. Allez, on va dire 5-6 IA. 4 IA déjà, ça m'aurait plu. Pas 56 secondes sur ce circuit, c'est un avantage. Oui. Comme la version player. C'est ça. Ah mais c'est ça qui est vraiment dommage quoi. Les deux versions ont une qualité des défauts et du coup ça rend aucune des versions parfaite. Quoi. Alors que c'est le même éditeur hein, normalement. C'est un faux grain pour les deux. C'est que ça a été développé par deux boîtes différentes. Ah oui voilà. Et ce jeu, ce qui est paradoxal, et là franchement c'est un peu long pour Sega, il est beaucoup plus joué que Sega GT. Ah mais Sega GT, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est décevant. Surtout que, alors j'ai toujours pas fait la vidéo du jeu, mais j'aimerais vraiment, mais c'est difficile le jeu, pour l'instant il est trop pas bien. J'étais online sur Xbox 1, qui est du coup un peu le GTA, le GTA n'importe quoi. Sega GT Online sur Xbox. Qui est un peu en fait ce qu'aurait pu être Sega GT s'ils avaient mis un peu plus leur temps, on va dire. Et le jeu est beaucoup plus joué. Je n'ai jamais joué à GT Online, je vais pas te dire. C'est vraiment pas fou. Bah, j'ai à peine tourné jouer et je me suis rendu compte tout de suite. Ah, c'est l'époque où Sega s'éparpillait partout, faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Et bah, dis donc. Elle est tout droit. Et 3,42, c'est pas mal. Ouais, je sais pas trop si c'est bien ou pas. Pareil, j'imagine si Polyphonie Digital avait été chez Sega. Imagine, on aurait eu Gran Turismo 2 sur Dreamcast, genre en 99 de Nîmes. Avec des graphismes ultra propres. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça aurait peut-être tué aussi la licence. Hein. Peut-être que Sega disparaisse avec. Ouais, ils auraient peut-être seulement trouvé le moyen de rebondir rien. Bon, toujours la fameuse droite d'écart. Qu'est-ce que t'en penses des musiques? Écoute, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais... On est vraiment dans l'ambiance d'un 4 heures du Mans, là, on s'y croirait. Hein. En vrai, ça m'inspire rien du tout, cette musique. J'aimerais pas savoir dans quel jeu j'aurais mis ça. Oui, c'est mon dieu, justement. Certains titres. Certaines pistes. Moi j'aurais plutôt mis dans un jeu style aerodancing, tu sais les jeux d'avion. À la limite c'est lui, j'aurais peut-être sa place dans Ace Combat 3. Ah oui, ouais, je l'avoue. Ça fait penser d'ailleurs que je n'ai testé aucun des jeux Dreamcast d'avion. Il y en a une pelletée, pour pas dire le mot de vulgaire. Pelletée. Hein? Pelletée. Ouais. Le terme. Et du coup, j'en ai testé aucun, mais il y en a pas mal. Hein. Des jeux qui sont plutôt pas mal, parce que moi je parle souvent de Ace Combat hein, dans ma chaîne, mais il y a plein de jeux d'avion qui sont très bien, il y a plein d'Ace Combat. Et malheureusement, ils se sont fait un peu écraser à l'époque sur console par la série. Mais il y a eu des bons jeux aussi ailleurs.
serait bien qu'on ait mis jouer un petit peu. Mais ce jeu, je pense qu'il pourrait faire aussi un let's play. Hein. Non ? Avec ce championnat des championnats et tout, ça peut être pas mal. Si le jeu crache pas comme pointe une carte. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Si un truc manquant par rapport à la version PS1, c'est le mode carrière entre guillemets. Oui, c'est vrai, parce que mode carrière, on a un contrat, non ? Il y a des objectifs, je sais pas. C'est un contrat avec une équipe qui commence à accumuler des mois performances de chaque catégorie et tu progresses. Oh, c'est trop bien. Pareil pour les 24 heures du Mans. On commence toujours avec des équipes de merde. Oui. Et en cours de championnat, bah, tu reçois une offre en mode 24 heures du Mans de ton équipe en groupe. Quel tu vois que. Bah, je donne tout ce que j'ai pour pas pour prendre du temps, mais t'es tellement loin quoi. J'ai tapé le mur. Je crois que t'avais 17 secondes d'avance, tu veux être au moins à 25. Ouais, commence à bien ralentir avant, toi. C'est sur ce secteur-là que l'IA se plante assez souvent. Ouais, je suis plus de 17 secondes. 19 ans. Bon, ça veut dire que sur un tour, quand même, j'ai perdu que 2 secondes par rapport à toi dans le dernier. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, je te propose une dernière. Tu choisis ce que tu veux, le circuit, la voiture, le mode, si tu veux mettre de la pluie aussi. Enfin, voilà, c'est toi qui choisis. Par contre, je vais évidemment choisir en premier, parce que je vais le mettre un, mais tu me dis ce que tu veux faire. D'accord. Meilleur temps, 3.34, 3.39. Ah non, même plus que ça, hein, tu mettais 5 secondes partout. Bah vas-y, du coup, tu me dis. De là, qu'est-ce que tu veux qu'on prend comme type de véhicule Oh, n'importe lesquels. Les prototypes actuels, on peut jeter. Lesquels, ceux-là ? Ceux-là. C'est à toi de voir. Moi, j'ai choisi déjà une des plus puissantes. Enfin, une des plus performantes. Parle un peu. Ah, tu veux prendre celle-là ? Non. J'ai pas compris celle que tu voulais prendre en fait. Je sais pas encore, peut-être la Mercedes ou la McLaren. Sinon on se fait un duel de Mercedes, hein. Ça me va. Hein. Du coup on va finir tout ça en looping, ça va pas changer grand chose. Non, parce que ça peut être duel quoi, Mercedes contre quoi, malheureusement je vois pas trop. Non, ça on l'a déjà pris, on a dit. Parce que là si je vois la Mercedes, elle est un peu à part, j'ai l'impression. Hein. Après... Ah si, celle-là pour concurrencer par exemple. Ouais. Bon, moi je t'avoue que je vais prendre une Mercedes, donc je vais prendre une Mercedes. Ok. Mais tu veux prendre un modèle, ça n'empêche pas, y'a pas de soucis. Hein. Ou un modèle que tu voulais prendre. J'ai déjà pris une japonaise, attends. Ah, c'est dommage, j'ai pas la NSX. Allez, un petit jeu, un duel germano-allemand. Germano-allemand. Bah vas-y, tu veux quoi comme circuit? On a fait ça. Qu'est-ce qu'on a pas essayé? Bon, alors on a pas essayé Suzuka West. Ah, Suzuka? Le Suzuka, le Grand Prix entier de Suzuka par exemple. Allez. Ça va. Est-ce que la course va être interrompue à partir du 3ème tour? Je sais pas. Tout deuxième, tu veux dire? Est-ce que tu veux la gestion des pneus? Est-ce que tu... Ouais, c'est ça. Tu mets la course à 10 tours et. Attends, mets des pneus rapides et les ravitaillements rapides également. Rapide. Rapide attends, également attends. Pour le... On met du mets plus vieux, la course à mitigé. Tours, mitigé, c'est... On fait la totale. Ça, c'est variable. Il y a rien d'autre en dessous, d'ailleurs, à part ça. Non, ah si. Rattraper, oui, non, ok. Donc, on met combien de tours? 10 tours, ça te convient ou... 10 tours, ça va être un peu long pour Suzuka. 7 tours? 7 tours, allez. 2 tours, je pense que ça sera la moyenne, la bonne moyenne. Je vais vérifier d'ailleurs combien on en est au niveau du direct. 49 minutes, hein. Ça va vite. Ah, il y a Vito. Vito c'est qui ça? C'est Vita, mais version... Allez, gueule de cousin germain. C'est parti. Ouais, le patinage artistique, voilà. Musique toujours aussi cosy.
Grosse concentration, évidemment. C'est ça. C'est une course d'endurance, messieurs dames. Voilà, il y a à peu près 80 millions d'euros à jouer ici. D'ailleurs, le public s'est déplacé en masse pour voir deux voitures en piste. Exactement. Mais c'est les voitures anciennes, hein, donc c'est normal. Les Japonais sont férus d'automobiles. Alors là, par contre, effectivement, le circuit, il va falloir revenir un peu leur plan, parce qu'ils sont pas, il est pas super bien fait en termes de dénivelé. Ouais, c'est ça. Oh ! Ça a glissé à l'accélération. Là, c'était marrant parce que pendant le vrai Grand Prix en Formule 1, j'ai compris pas pourquoi les pilotes, à chaque fois qu'ils voulaient dépasser, ils prenaient une autre trajectoire, mais en vrai, ça marchait jamais en fait l'intérieur, puisque le mec était à l'extérieur, il accélérait mieux en fait. Du coup, je comprenais pas leur intérêt de faire ça à chaque fois. Enfin, surtout de faire ça tout le temps à chaque tour. C'est un moyen de déstabiliser. Ouais, mais je pense que c'est pas. Une fois que le mec il a vu que ça passait vraiment jamais, il sait que ça va passer, donc il sera pas déstabilisé longtemps. Oh, le 130R! Et le 130 gravier, voilà. Le 130 gravier. Quelle déception. Alors, ravitaillement, ça veut dire que t'es obligé de te ravitailler? Ouais. J'espère qu'on aura assez de tout pour faire au moins un arrêt. Et normalement, c'est tout, oui, ça passe. Ah, bien. On aura les choix des équipes. Parfois quelques vidéos sur la version PC de ce jeu là, ouais. Si vous êtes intéressé. Oui, c'est vrai. Jamais. Alors par contre les gommes, toi qui connais bien le jeu, est-ce que le maniement a vraiment un impact sur les gommes ou est-ce que c'est vraiment juste le kilométrique qui compte? Bah, c'est surtout en fonction des tours et parcourus. Ah ouais, donc en fait ça sert à rien que j'essaie d'économiser depuis le début mes pneus. Toutefois si tu joues vraiment le brun et que tu fais du hors-piste, là ouais, ça pousse juste un peu plus rapidement que prévu. Okay, parce que moi depuis tout à l'heure je pense que t'as remarqué, je suis en train de freiner doucement, éviter ouais, de faire. Ouais, je l'ai raté par contre. Il y a aussi un point intéressant, c'est que également si tu patines trop à chaque accélération, tu les juges un petit peu plus vite également. D'accord, ok. Voilà, ça y est, t'as pris de l'avance là. Mais ça c'est vite. Sponsorisé par Bridgestone et Nissan. De quoi? Mais je regarde autour du circuit, il n'y a que le Nissan et Bridgestone. Ah oui. Là, je me rends compte que j'ai toujours pas calculé où on rentrait pour rentrer au stand, mais. C'est avant la dernière chicane. L'avantage, c'est que c'est le premier qui va se la prendre en premier, donc c'est le premier qu'il faut aller voir s'il rentre au stand. On a fait la même. Là j'ai fait n'importe quoi. Ah t'es allé trop loin, t'es trop accéléré je pense. Encore assez bien. Ouais, j'aime bien, toujours en vert. Même si je vois que ça commence à tendre vers le marron. Un jaune marron. Quatrième ou cinquième tour, je vais.
rare. C'était là le entrée destin. Je n'ai pas le temps de le voir. Tellement concentré à rentrer dans la chicane quoi que. Décidément, ce virage, je le loupe tout le temps. Bah, toi aussi. Voilà. Décidément. J'ai remis un peu trop les gaz et on. Oh, c'est bon, trois. Ah, ouais, moi aussi, je me suis loupé. Là, par contre, les nids sont morts. Si tu galères pas trop. De quoi? Tu galères pas trop, tu galères pas trop avec des pneus. Ouais, ça, ça va. Mais si, là, si, si, ça commence. Oh, j'ai fait un. Voilà, un peu comme toi. C'est vrai que déjà avec les genres de pneus, tu perds énormément de temps, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Ah, si on fait un tour de plus, là, ça va. Bon, faut que je trouve l'entrée des stands maintenant. 4 secondes. Non, c'est pas là. T'es là. What the... Y'a... Non, 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 on va pas changer les pneus, non. Ah, mais je vais me faire avoir. Parce que toi, t'as mis mon essence. C'est ça. Ah non! Du coup, tu vas être plus léger pour la fin de course. Ah, mais on s'arrête pas sur le côté, on traverse en fait. Ah non, ok, j'ai eu peur. Bah, de plus, c'est bien, on n'aurait pas vu les aérostands. Voilà, on attend. Ça va, l'IA t'a laissé passer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien ralenti. Ah, je sais, c'était juste qu'on ressentait en même temps quoi. Ah, ça aurait été bien. Voilà. Bon, du cartes sont redistribuées. Exactement. Paf. Pas beaucoup, ouais. Il n'y a que 3 secondes, il y a toujours un écart assez élevé. Enfin, non, il n'y a pas tant d'écart en moins quoi. Est-ce que je peux le rattraper? Meilleure accélération que moi. Je devrais pouvoir. C'est là, ouais, c'est ici que je t'ai fait surprendre avec les pneus. Un peu mort, un peu comme toi en fait. C'était magnifique, voilà. Il y avait une bosse et du coup, je commence à partir d'eux. Quelques mètres un peu par mois et j'aurais dû faire une Carlos Sainz. Un mur à Pagassi pour récupérer le panneau. Est-ce qu'il y aura un tracteur sur la piste? Non, mais une go qui dépasse. L'avantage c'est que j'ai un peu d'avance. Un peu beaucoup. De... 10 secondes, crâne. Tintin. Musique, toujours. Un peu répétitif.
Bah, j'avoue, j'ai du mal à me concentrer sur la musique, donc pour moi, pour l'instant, je vois pas trop le loop en fait. Allez, c'est bon, je commence à comprendre ce que tu veux dire. Oui, pourquoi je coupe toujours la musique lorsque je fais l'idée sur ça. Ils sont au paroxysme, ils prennent tous les risques, c'est la rage de vaincre. Philippe, si tu nous entends. C'est à Lyon, hein, c'est ça, je sais pas petit. C'est ça, ouais. Alors, je sais pas si certains ont la référence. Ah, c'est les commentateurs du premier Formule 1 sont payés. Ils sont françaises, bien sûr. Oh, c'est bon, je commence à maîtriser, du coup c'est pas mal. Du coup c'est pas mal, je suis content. Ouais. Ça, tu débrouilles bien, machin. Bah, c'est vrai qu'après, une fois que t'as compris certains virages, comment on les passait, faut pas trop que c'est à tel endroit, faut à tel moment, bon bah, je t'en répète à chaque fois quoi. C'est... Après, souvent dans les endurances, bah c'est parce que c'est trop long, du coup tu commences à faire des erreurs parce que tu veux comment concentrer. Allez, j'ai fait le point du meilleur tour. Ça y est, c'est le dernier tour. Sans totalement rater des lancers. Ah oui. D'ailleurs, j'étais bien content de revoir Mousset aux essais libres à Singapour. Ah oui, il avait toujours la patate. Bon, fusel à lui-même. Bon, il a aimé donner le côté un peu historique de certains trucs. Voilà, mais non. Ça sera la fille qui sera invitée. Non, je rigole, je sais pas. Ce sera Van Viet. Ce sera Van Viet. Là, ça aurait pu être à Suzuki avant Viet. Ouais, non, il va couvrir le Grand Prix d'Autriche. pour ceux qui auraient au cas où pas la ref, il avait critiqué Ferrari pendant le doublé. Le fait que Barrichello a laissé passer Schumacher quasiment sur lui. Et c'est levé valu en fait plus tard bah, en fait, de se faire virer de. C'était pas aussi à cause de l'annonce d'Alonso. De quoi? C'était pas aussi à cause de l'annonce d'Alonso chez Renault au détriment de Vettel. Ça je sais plus. Je t'avoue, ça. Autant la première partie je le connais, mais la deuxième je sais pas. Peut-être. Du coup il avait été remplacé par Malbranque. Ouais. Le fameux mainteneur de suspense, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Monsieur Cliffhanger. Le fameux Michel Schumacher. Ouais, Michel Schumacher. Et oui, alors que là, Schumacher a un tour d'avance, mais on sait jamais. Non, mais Jacques, il reste 100 mètres à faire là. Ah, Jacques. Oui, Jacques Lafitte. Et c'est une victoire pour Mercedes. Incroyable. Sauf que ce résultat va rendre fou les tifosi. Ah merde, c'est pas ça. Non, pas du tout. Très bien. Bon, bah, je suis bien content d'avoir gagné en tout cas pour celle-là. Mais ça va, t'es pas loin, hein, tu tournes 48-45. Mais j'ai l'impression qu'elle était plus dure à piloter, la tienne. En sortie du virage, elle glissait quand même pas mal. Quoi. Ouais, moi j'ai pas trop ce problème-là par rapport à toi. Pour moi, c'est à peu près cohérent. Bon, bah, on va se laisser sur un petit replay. Bah, le mot de la fin par rapport au jeu, ton ressenti de la Dreamcast par rapport aux autres. Parfait. Presque parfait. Presque parfait. Ouais, presque parfait. Un peu plus de trucs entre guillemets, ça aurait été impeccable. Ouais, bah les dégâts, qu'est-ce que tu disais, les légères des pneus, légères du moteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était mieux sur la 101, enfin qui était différent l'ajout d'un mode pseudo carrière. Ah oui, carrière, ouais. Bah voilà, du coup, si vous voulez vraiment ce jeu, il va falloir avoir les trois versions, enfin en tout cas deux. Moi, la version Play 1 et la version soit PC sur le Dreamcast. Je pense qu'on aura fait le tour. Bon, en tout cas, merci, Houston. On se retrouvera peut-être sur ce jeu en version 3-4 joueurs. On verra, évidemment, ça dépend de la disponibilité de chacun. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et bah, bonne soirée, Houston. Merci à toi. Bonne soirée. Merci à toi, Sikim. À bientôt. Mmh.